Et yo tout le monde, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui, c'est Xen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve sur PES 2016, voilà. Pour une petite vidéo bonus simplement, donc je vous ai déjà record donc le match contre le Real et le match contre le Zenit de Saint-Pétersbourg. Malheureusement le record a bugué. Du coup je pourrais donc pas vous le poster, donc du coup voilà, j'avais envie de me détendre un petit peu quelques jours après, bien évidemment le temps de reprendre. On va jouer donc ces deux matchs, donc Malaga et Palmas, qui sont eux 19e et eux 8e, donc ça va un peu plus au classement de la ligue. Puis après on fera du coup ces matchs donc dans une prochaine vidéo, on va dire dans un en mode un peu plus, on va dire, sérieux, si je peux dire ça comme ça. Donc on va dire ça que c'est une vidéo, voilà, épisode 2, mais un petit peu bonus. Puis l'épisode 3 sera vraiment un peu plus hard contre le Barça et contre le Zenit de Saint-Pétersbourg, le match retour. On est à 3-1 pour l'instant, mais il faut faire attention qu'ils ne marquent pas 2-0, parce que sinon y aurait 3-3 et avantage à eux, parce qu'ils ont marqué 2 buts en extérieur, il me semble, je sais plus. Enfin bref, en gros, faut faire gaffe quand même, c'est pas encore gagné. Et contre le Real, ça aurait été très très dur, on aura gagné mais de justesse. Donc du coup voilà, donc on va partir contre ce petit match contre le Magala FC. Et puis voilà, j'espère que tout le monde va très très bien aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'épisode pendant la semaine, simplement parce que voilà, j'avais pas mal de petits trucs à faire. J'ai enfin, on va dire, fini officiellement le boulot. J'ai une nouvelle chaise également, vous l'avez vu. Et voilà, c'est une nouvelle chaise. Rien de très impressionnant. J'ai également remarqué donc dans le dernier record que normalement le son et tout sont bons. Au niveau de la qualité visuelle, je ne peux pas faire mieux, mais pour avoir une qualité optimale, alors je sais que certains n'auront peut-être pas forcément la connexion, mais il faudra jouer. Attendez, peut-être. Oh, dommage. Oh. Ok, donc ouais, on pourra, il faut mettre en 720p, donc je sais que, bon, certains n'ont pas forcément la connexion. Ok, je fais de la merde, n'ont pas forcément la co pour le faire, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous gênera pas trop. Il y a quelques petits freeze de temps en temps également, bon voilà, j'espère que ça vous gênera pas trop. Ok, alors, est-ce que... Oh, dommage. Ok, très bien. La petite touche. Hop. Alors bon, dans ce match, voilà, il n'y a pas énormément d'enjeux, si ce n'est de gagner pour quand même conserver notre place dans la ligue. Non. Ok, on avance. Je voulais tenter un truc. On va essayer déjà de marquer un but, de s'assurer un petit truc, quelque chose. Ah, c'est chiant. Ils défendent bien pour l'instant. On joue pas extrêmement bien. Bon, c'est une game de reprise, hein. Je n'ai pas fait de game avant. Pour m'échauffer, ça fait une petite semaine que je n'ai pas joué. Enfin, depuis la dernière vidéo. Ah, dommage. Ok, bon, la bonne sortie de gardien. En même temps, là, j'étais un petit peu submergé. Je sais pas s'il va me la faire, si c'est bon. Dommage. Ok. Ok, bon, ça m'a l'air d'être un peu plus difficile. Hop, et oui, en fait, bon, les commentaires, on les entend pas tellement. J'aurais dû faire une passeur à sol, my bad. Donc, ouais, les commentateurs qu'on n'entend pas énormément. Donc, du coup, je pense pas que ça vous gênera plus que ça. On peut. Hop. Peut-être, on va essayer de le pousser. Hop. Non, c'est une blague. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas trop compris mon mouvement. Ah là 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 là! Je sais pas si mon perso il est en mode fatigue ou un truc comme ça, mais c'est pas normal là. Surtout sur le move où j'ai fait une forme de frappe et ça a pas marché. Je sais pas trop ce qu'il m'a fait. Allez, allez, hop. Dernière occasion peut-être. On court. Hop. Nice. Ok, bon. Petite passe décisive, 1-0. On va revoir l'action. Le bon débordement sur la droite. Et. Ok, plutôt bien. Bon, juste avant la mi-temps, ça nous rassure un petit peu. Parce que là, bon, on n'était pas ouf. Il défendait plutôt bien.
et Torres qui vient à la finition. Donc c'est pas mal. Un beau but, un beau but. Du coup, une petite passe décisive, c'est worse. Et puis voilà. Hop, c'est la mi-temps. La possession, elle doit être à mi... Ok, moitié-moitié, on a eu deux occasions de frappe. Je sais plus si c'est moi tout début. Mais bon, voilà quoi, rien de dangereux. Faudrait que je me mette bien dans cette chaise. Ok, il y a un mec par terre. Tout le monde s'en bat les couilles, tant mieux. Oh merde, c'était moi. Pourquoi je fais l'appel de balle? Oh putain. Oh MJ, c'est n'importe quoi. Ok, alors attendez, on va essayer de se recentrer. Dommage. Bon, c'est un appel un peu risqué, mais je pensais qu'il aurait peut-être pu tenter talonnade, un truc. Dommage. Il y a des joueurs qui n'ont pas la compétence talonnade. Ah là, on a le champ libre. On va décaler sur la gauche. Ah bon, ok, j'avais pas compris. Je pense qu'il n'avait pas. Il n'avait pas anticipé en tout cas. Je pouvais lui la faire. Oh. On est sur le pied droit. Gauche, pardon, on va tenter. Ça passe logiquement. Il n'y avait pas énorme danger en face. Du coup ça passe. Oui, depuis on a le brassard du capitaine. Donc depuis un petit moment. Je sais pas si dans la dernière vidéo on l'avait. En tout cas, je l'ai eu pendant le match de la Champions League. Contre le Real, j'avais pas fait attention, mais contre la Champions League, enfin contre le Zenit, lors de la Champions League, j'avais remarqué. Ouais, là, il n'y avait pas grand obstacle. Là, le champ était plutôt libre. Du coup, voilà, on est bien en appui sur notre pied gauche, le pied fort, bien évidemment, de Antonio Griezmann. Bientôt, qui est remplacé par Munez. Voilà, voilà. Bientôt, qui aura pas fait un grand match, bien évidemment. Non, ouais, ça va. En même temps, les matchs sont pas vraiment assez longs pour que ça donne vraiment des occasions, mais comme ça, au moins, c'est bien. On affronte plusieurs équipes, c'est dynamique. Attendre de faire deux matchs. Voilà, il nous a fallu un peu par contre. Donc, ouais, comme d'hab, on est milieu offensif droit, mais tout le monde, on s'en bat les couilles sur tout ça. Hop, on va tenter une passe lourde à ras de terre. Ok, ça va passer. On a le corner? Ah, dommage. J'ai glissé tel un lâche. Enfin, j'ai fait une attaque dans le vent. Ah, merde. J'avais pas vu. Ok, hop. Ah, putain! Allez, mec, c'est chaud! Mais je savais pas comment le passer, lui. J'aurais peut-être dû juste faire une passe, en fait, sur la droite, tu m'as vu. Hop. Devant là, oh putain, dommage. On aurait pu marquer s'il n'y avait pas eu ce petit contre, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il fait? OMG, c'est dingue ce qui se passe. Ok, Fernando Torres pour le doublé. Bon, là, l'action est un peu foireuse. Il a tiré en mode balai avec une belle passe en profondeur. Et j'ai tenté un tag, mon pote. Genre, pff, oh, c'était full nimpe. Là, c'était full singe. Ça va qu'ils étaient pas bien. Hein. Là, les mecs en face, ils étaient pas bien. Hein. Bon, on est toujours en mode difficulté normale, je crois. Tu sais pas, ça m'étonne un peu, là. Parce que vu l'action qu'ils s'en sont tapés. Ok, bon, 3-0. Un match plutôt facile, du coup. On se tape une note de 8. Tranquille. Ok. Alors. Au niveau des autres scores. Barça qui gagne 0. Le Real Madrid gagne 0. Athletic Club 2-0. Et j'ai oublié de regarder Valencia. Qui ne sont pas là, pardon. Ou alors je les vois pas. Ah, c'est Valencia qui n'a pas eu 2-0 contre. Ah oui, d'accord. Genre chaud parce qu'ils sont quand même 16e quoi, les autres. Ok. Bon, du coup. Ok, donc ça va. On marque un petit écart. Faudrait qu'on gagne la contre Barça. Comme ça, on assure pratiquement la première place. S'il n'y a pas de grande surprise, du coup Magala qui redescend 9e. Ma foi. Ok, hop. Du coup, pas mal. On va jouer du coup ce deuxième petit match, on va dire, reprise. Contre Las Palmas, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, là on a une forme normale. Ok.
Je vais vérifier que nous soyons bien en normal. Est-ce qu'on a envie de rire ou pas? Est-ce qu'on joue en amateur? Allez, on va jouer en amateur pour rire. J'ai envie de me détendre pendant une petite game. Bon, en vrai, genre si en normal on arrive à mettre 3-0, non. Bon, on va essayer de faire des beaux moves surtout. On va essayer de faire des moves pas trop dégueu. Alors là, je vérifie juste que le record était encore bon. Ah ouais. En amateur, les mecs. Oh là là, OMG. Non, on marque pas. Putain. Oh non. Pourquoi j'ai mis en amateur, les mecs? Ok, bon. Genre, en vrai, tu fais ça en normal. Regardez. Que fait la défense? Genre, c'est insane. Ok, bon, je l'ai pas vu venir, je pensais pas que ça serait passé. Déjà que les pauvres ils sont pas ouf, alors. Si en plus on va en amateur. Hop. Ah, les outspeed MDR. Dommage. Je vais le tenter. La passe est précise. Il rejoue derrière lui. Ah dommage. Ah, j'ai voulu tenter et j'étais pas, ouais, j'ai un peu dévié. J'ai un peu dévié sur la gauche. Ça aurait pu être pas trop mal. Ça aurait pu être pas trop mal, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, hop. L'Atlético Madrid qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Heureusement qu'on avait gagné quand même. Alors attention, on va attendre que ça monte. On va remettre dans cette caméra. On verra un peu mieux. Dommage. Dommage, dommage. Ok. Faut que je retape des centres normaux en fait. Non, non. Ah, c'est triste qu'il leur arrive. C'est triste là, là il l'a un peu brun. Attendez, on va regarder ça. Du coup on prend la balle. On passe facilement les défenseurs en vrai. On fait juste une petite balle. Elle a même pas fait ce point en plus, ça lui tombe juste sur son talon on va dire. Ok, bon. Pas mal. Pas mal, pas mal. Il y a peut-être de se mettre à l'abri. Nous sommes à 25 minutes, hein, mais évidemment 2-0. Hop. Bon, de toute façon, même en normal, je pense pas qu'on craignait grand chose contre cette équipe. Ah. Ok. Pour qu'il y ait peut-être un petit peu plus de niveau, si on arrive vraiment assez loin dans la Champions League, les derniers matchs, on va dire, on jouera en haut niveau ou en pro, enfin, je sais plus qu'est-ce qu'il y a après. Je crois que c'était haut niveau. Parce que c'est vrai que. Mais oh là là, putain, le lourd m'a empêché de frapper deux fois. On va essayer de pas trop se fatiguer. Putain, mon gars, j'ai aucune frappe quoi. C'est chiant. Genre, c'est chiant ce qui se passe. Ok, bon, on est bientôt à la mi-temps. Hop, allez, allez, allez. Prends-moi ce ballon, ma petite gueule. Hop. Fait une petite feinte, hop. Petite feinte, hop. Oh merde, ça a pas cancel, tant pis. Bon, de toute façon, c'était la mi-temps. On aurait peut-être pu marquer. Oh. Là, on tente de là. Bon, écoutez, fut un temps, j'étais quand même un génie du ballon rond. C'est-à-dire que même dans les angles impossibles. Enfin, presque impossible. Genre OMG, quoi, attendez. Ah, bah, il y en a un qui est pas bien. Il est pas content et on fait ça bien évidemment avec les supporters. Attendez, on va regarder ce qui s'est passé parce que c'était quand même très triste. Gâteau là, ok, donc il prend la balle. Il me la refait dans l'axe, directement un peu longue du coup je suis obligé de... C'est nimp, on tire parfaitement dans le petit filet opposé. En même temps c'était un peu dur de tirer directement. Non, en vrai ça va. Je suis pas trop déçu, c'était un beau but. Bon, 3-0 à la mi-temps, ça risque d'être un peu un massacre. Je crois qu'ils ont la possession de balle. Je crois que j'ai vu 55, je sais pas pour qui c'était.
Non, c'était peut-être pour nous en fait. C'est peut-être bien pour nous. Allez, allez, on court, on court, on court. Allez, Grisou. Essaye. Oh. Oh, dommage. On a tenté des trucs. Hop, ça c'est pour moi. Non mais. Putain, c'est mon gueule. On retente. Dommage. Je l'ai trop mise à gauche. Je l'ai trop. Bah, je l'ai trop croisé en fait. Tout simplement. Ok, 3-0. On va tenter maintenant des petits lobes. Est-ce qu'on tente des sortes de panenka? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que bon, après, ce serait broken si on. Déjà qu'on gagne pas mal de matchs avec 3-0, 2-0, de ça. Qu'au niveau de goal average, si on gagne avec 5-6-0, ça va être un peu broken, je vous avouerai. Allez, 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 on court. On défend, on n'hésite pas. Ils auront même pas eu une occasion. Bon après c'est bien, ça détend de pas vraiment se prendre la tête. Bon, on se prend pas vraiment la tête en normal non plus hein, mais... derrière. Dommage. Frappe pour main, attention, loupé. Deuxième édition. J'aurais dû peut-être la contrôle. Mais celui qui sur son pied fort directement en première intention à cette distance, ça pouvait passer. Mais du coup dommage. Allez. J'ai envie d'en marquer un au moins. Est-ce que j'en ai marqué un? Oui, oui, j'en ai marqué un. Pour l'instant, du coup, Torres a un doublé. J'ai une passe décisive à un but. Et une belle construction de jeu. Oh, genre, mec, il a pas compris que j'allais lui faire la passe. Quoi. Hop. Derrière. Oh, dommage. Oh, ici. Dommage, j'ai tenté au milieu. Allez, allez, rattrape-la. Frère, t'abuses. Vieto, bien évidemment, qui est remplacé par Munez. Comme d'habitude. Santana. Qui sort. Hop. Allez, allez, on court. Un peu lent. Si, c'est bon. Ok, hop. Bon bah du coup on va finir sur une belle passe décisive je pense. Et voilà. Ok, donc Munez qui vient d'entrer. Non c'est Coq, ok, excusez-moi. Ok, je pensais que c'était Munez. Non, Munez était juste juste à côté. Ok, c'était pas mal. On voit la bonne accélération de balle. Et là le bon centre. Il n'y avait pas grand monde dans cette surface. En deux était un petit peu en retrait. Que qui était pas pris vraiment au marquage. Petite erreur. En même temps, bon, ils sont en amateur les pauvres. Donc, genre voilà quoi. Ok. Comment ça se passe là du coup? De cette rencontre. Tout donner maintenant pour espérer être européen la saison prochaine. Va-t-il en profiter? Derrière, n'hésite pas. Attends, une frappe de loin. Non. Ah! Dommage. Ça va presque plus passer. On tente un truc. Ah non. J'étais carrément trop loin. Je me suis senti trop beau. Je me suis senti trop beau. Ok. 4 minutes de temps additionnel. On va essayer de tenter une dernière belle action. Bon là, ok. Enfin, on peut clairement tenter la petite passe. Mais voilà. On peut clairement en 1v1 avec le gardien, on la met directement sur son flanc droit. Un goal du coup pour lui. Et voilà, deux passes décisives, deux buts, 5-0. Ouais, il me la met bien là. C'est pas mal, je suis tout seul après. Oui, il y a encore les deux défenseurs, mais ils m'ongolisent un peu. Et après, on fait juste, on lobe le gardien. Bon, en vrai, on aurait pu attendre qu'il nous approche et peut-être tenter une fin de frappe. Si on a une dernière action, je vais faire ça. Bon, bon, on aura une dernière action. Non, dommage. Dommage, j'ai pas prévu qu'il allait venir. J'aurais dû lui faire un petit crochet. Dommage. Ok, bon, 5-0. On a une bonne possession. Ils en ont une également pas trop dégueu. Ok, mais c'est une Torres qui a bien doublé qui a 7 ennemis. Très bien. Pourquoi pas. Bon, bah écoutez, merci à vous du coup d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouvera la prochaine fois à Barça qu'on gagnait. Et Real qu'on fait 1-1. Donc, le Real qui sont pas bien. Bon, ils seront pas rattrapés pour la passe de 3ème, mais là ils peuvent difficilement remonter.
Ok. Très bien. Très bien, très bien. Mais du 43, 58 buts, c'est broken. Bref. Du coup, bah attendez, on va finir sur cette belle image là de Antoine Griezmann. Ah, le truc est. L'écran est un peu plus large. D'après, sur mon revu. Ça donne mieux quand même au résultat visuel comme ça. Parce que là, ça fait un peu une grosse tête. Bref. Du coup, bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Une petite vidéo détente. Parce que bon, voilà, quoi, clairement, genre. Voilà, gros niveau MDR. On se retrouve du coup, je pense, demain pour la suite, donc pour la prochaine vidéo. Voilà, c'était juste une petite vidéo bonus que je sortirai sûrement aujourd'hui. Puis voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bye bye, les mecs!